Bonjour à tous et bienvenue dans le premier Facebook Live de la troisième semaine de confinement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai un super programme à vous proposer avec le Journal du Golf. On sera en direct avec Tom Elling, qui est le caddie actuel d'Alexander Lovy, qui aura plein de choses à nous raconter, qui a une expérience absolument incroyable. Et la raison pour laquelle je suis tellement heureux de faire ce Facebook Live, c'est parce que de pouvoir parler en fait aux personnes qui contribuent au succès des joueurs est tellement enrichissant et tellement intéressant. Donc pour vous l'audience, les personnes qui nous regardent actuellement, si vous avez des questions à poser à Tom sur la stratégie de jeu, également sur le mental, parce qu'on sait que voilà, le copilote, le caddie contribue énormément à tout ce que fait le joueur sur le parcours en termes de prise de décision. Donc le caddie a vraiment des informations hyper importantes et déterminantes qu'il doit donner en fait au joueur qui lui en fait quand il va être devant la balle s'appuie finalement sur le caddie pour pouvoir l'aider au maximum. Donc si vous avez des questions à poser à Tom, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées. Salut Gérard, Martha qui est là, Julien Brun qui est là, on a également Damien Perrier, joueur professionnel. Marion qui est là, Sylvie qui dit bonjour Journal du Golf et les golfeurs confinés, Anne-Marie qui est là, Damien, on a Fort Robich, Frédéric Sentier qui est là, bonjour à tous Journal du Golf et Lewis, Frédéric merci, merci d'être là et merci pour tes messages. Je reçois pas mal de messages depuis le début des lives en nous félicitant, donc un grand merci à vous parce qu'on voilà, notre but à nous en tant que pro de golf, c'est de vous proposer justement du contenu quotidiennement pour vous permettre de progresser pendant cette période qui peut paraître un peu compliquée, mais c'est intéressant parce qu'on en parlait avec Tom juste avant ce live et on se disait à quel point finalement ce confinement pouvait nous aider à améliorer non seulement notre golf mais notre vie. Donc du coup on va rejoindre Tom maintenant. Salut Tom, ça y est, t'es en direct, ça va, tu vas bien? Salut Louis, tu vas bien? Ouais, ça va super. Alors juste avant le live, on discutait de pas mal de choses ensemble, on a échangé sur des sujets intéressants. La raison pour laquelle, Tom, je suis hyper content de t'avoir avec nous, c'est que on s'est croisé à pas mal de reprises, on a des amis en commun, mais on n'a jamais eu l'occasion d'échanger comme aujourd'hui. Donc c'est vraiment top pour moi parce que je te suis depuis un moment dans le sens où je t'ai regardé avec Victor à la Ryder Cup, on t'a tous regardé à la télé et cette merveilleuse victoire qu'il y a eu à Gleneagles. On te suit avec Alexander depuis un petit moment. Donc tous ces aspects-là, on va en parler aujourd'hui, tu vas pouvoir partager tout ça avec nous. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Tom, est-ce que tu peux déjà, il me semble que tu as 3 victoires sur le circuit européen, une victoire en Ryder Cup avec Victor. Est-ce que tu peux parler un tout petit peu justement de toute ton expérience et les joueurs avec qui tu as pu collaborer? Ouais, bien sûr. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Merci de tous d'être là. Bon, moi, j'ai commencé à caddier. Ça fait maintenant 9 saisons que je caddie. Et j'ai eu la chance de commencer avec Benjamin Hébert sur le Challenge Tour. Et j'ai continué petit à petit à travailler avec différents joueurs tout au long des années. J'ai eu la chance donc de travailler pour Victor pendant à peu près 1 an et demi. Faire la Ryder Cup avec lui, qui était juste ouais, pas de moi. C'était vraiment ouais, c'était pour l'instant à l'heure actuelle, bon, la première victoire c'est toujours quelque chose de vraiment incroyable, mais la Ryder c'était quand même une expérience incroyable, quoi. Et ensuite on a commencé à travailler ensemble avec Alexander et voilà, ça fait maintenant la 5e saison à partir de juin. On travaille ensemble et 3 victoires, des super bons moments, des hauts et des bas, comme dans toute carrière, comme dans tout binôme, mais super intéressant. Toutes les expériences que j'ai pu avoir, super enrichissantes, au niveau perso, au niveau joueur de golf, de voir des bons joueurs de golf, des super bons joueurs de golf d'aussi près, d'être vraiment aux côtés des meilleurs mondiaux, c'était une expérience incroyable, quoi. Tom, vraiment top. On va revenir justement sur les hauts et bas d'Alexander, la transition qu'il est en train d'avoir en ce moment, la décision que vous avez prise ensemble en tant que staff depuis
un peu plus d'un an maintenant. Il y a le journal du golf qui est connecté, qui est là. On remercie Rémi Rivière qui est derrière son écran, qui fait tout son maximum pour pouvoir aussi répondre ou voir les questions. Donc il est là, il est connecté, il est avec nous. Donc un grand merci Rémi d'être là, qui dit bonjour à tous, bienvenue sur ce live avec Wallace Golf Academy et Tom Ehling, caddie d'Alexandre Levy et ancien copilote de Victor Dubuisson. On va en parler, on va revenir un petit peu sur la Ryder Cup. Est-ce qu'on peut pas, faire ce live, Tom, sans parler un petit peu de l'expérience Ryder Cup? Est-ce que ce que t'as apporté, ce que l'expérience t'a apporté, et comment tu t'es préparé pour un tel événement? Donc quand on revoit justement les images là de Victor, et on dit un grand merci à Martin Coulon et Jean-Philippe du Journal du Golf, Jean-Philippe Rodin-Berger qui était là pendant la Ryder Cup avec vous. Quand tu te prépares pour la Ryder Cup, parle-moi un petit peu de ta préparation, à la fois mentale et stratégique. Toi qui n'avais jamais connu une expérience aussi importante, comment tu t'organises? Pour ce qui est de l'organisation sur place, franchement, on prend soin de nous à un niveau incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment rien à faire sauf notre job. Donc marcher le parcours, repérer stratégiquement, toutes les choses de nos quotidiens quand on arrive un lundi en tournoi. En fait, là, c'était exactement pareil. On arrive, on est 12 cadets de l'équipe européenne, on marche en groupe de 3-4. On découvre le parcours ensemble, on échange des mots. Bien sûr, enfin, on se retrouve souvent à marcher avec la personne avec qui on joue en foursome ou en 4 balles. Donc on échange, tout se passe vraiment comme un lundi de tournoi, quoi, en fait. Mais on est là, au milieu d'un amphithéâtre qui est juste incroyable, avec personne. Et pour être honnête, je savais pas trop à quoi m'attendre, quoi. La préparation que j'ai eue avant, honnêtement, aucune de spéciale. Est-ce que tu as discuté avec des personnes qui avaient déjà, parce que tu sais que, voilà, je sais qu'il y a une belle communauté de joueurs, mais il y a également une belle communauté de caddies entre vous, vous connaissez les caddies, donc est-ce que tu as pu, avant la Ryder Cup, t'appuyer sur l'expérience de d'autres caddies ou d'autres joueurs pour un petit peu savoir à quoi tu t'attendais, quoi? Ouais, bien sûr. Après, on a eu de la chance, avec Victor, c'est que on a été mis en partie pas mal avec Graham McDowell et donc Ken son caddie pendant les tournois avant. Donc on a eu la possibilité d'échanger pas mal sur ça, en sachant qu'en souterraine il y avait de grosses probabilités qu'ils allaient jouer ensemble. Graham, ça a été en quelque sorte un très bon mentor pour Victor durant la Ryder Cup. Il l'a un peu pris sous son épaule et ouais, c'est vrai qu'il... Il était honnêtement tout le monde était incroyable parce que tout le monde a laissé Victor faire son truc, qui permet à Victor d'être Victor. Et c'est comme ça qu'on l'aime, et c'est comme ça qu'il est performant, et c'est comme ça qu'il a gagné sa place dans cette Ryder Cup. Et à aucun moment donné, McGinley a essayé de changer sa façon de faire, ou lui a imposé quoi que ce soit, parce qu'il voulait qu'il soit le plus performant possible dans sa façon de marcher. Et pour ça, tout le monde a été incroyable. Après, Victor a été incroyable, lui, mais ce que je veux dire, c'est que la mise en place a vraiment été très bien calculée par Paul McGinley, et Graham a juste été exceptionnel avec Victor et moi-même. Ce que j'entends, c'est fabuleux, parce que finalement, ce qu'il faut, le rôle en tant que capitaine et en tant que coach, c'est de comprendre le système de son joueur et de savoir s'adapter au joueur et de ne pas avoir le joueur qui s'adapte à nous. Et là, le fait de reconnaître que Victor, bah, il est atypique dans tous les sens du terme, et qu'il a sa façon de faire, et sa façon de faire marche pour lui et marche exceptionnellement bien, parce que on l'a vu par sa victoire en Ryder Cup, mais également sur les différents tournois qu'il a pu gagner sur le circuit européen, notamment le Turkish Airlines. On voit que voilà, sa façon de faire ne va pas forcément marcher pour le golfeur à côté, mais quand on est capitaine, on doit reconnaître que juste Victor, il faut le laisser sur le parcours et il faut juste le laisser faire ce qu'il sait faire au mieux, quoi, et pas essayer de changer ça, parce que justement, si on l'a recruté ou s'il a intégré l'équipe, c'est qu'il a recruté pour une raison, et on va pas essayer de changer finalement sa dynamique, quoi. Ouais, exactement. Après, comme tu dis, dans le choix du capitaine, le capitaine sait comment est Victor, il sait à quoi s'attendre, il sait quelles sont ses vraies qualités et de quoi il est capable sur le parcours. Et donc ça, il a réussi à le mettre en œuvre parfaitement, et en le mettant avec Graham, je pense que c'était la combinaison parfaite entre quelqu'un un peu jeune, agressif sur le parcours, et quelqu'un un peu plus stable, un peu plus mature, qui connaît super bien l'événement,
qui peut calmer un peu le truc de temps en temps. Et je pense, en toute honnêteté, je pense pas qu'il ait eu trop à le faire. Victor était vraiment dans son aise assez rapidement. Enfin, de ce que je chantais de l'extérieur, mais bien après sûr, à l'intérieur, on sait jamais vraiment. Mais il y a vraiment une sensation d'équipe quand on part tous les quatre sur le parcours contre les quatre Américains. Il y a une vraie sensation de cohésion d'équipe et de force, quoi. C'est assez agréable comme sensation. C'est différent, mais c'est assez agréable en venant d'un sport en plus non collectif. C'est assez nouveau, mais c'est vraiment agréable. Alors Tom, rentrons un peu dans les coulisses du staff, parce que voilà, nous ce qu'on voit beaucoup durant la Ryder Cup, c'est le joueur. On voit pas forcément ce qui se passe dans les coulisses. Et donc ce qui est hyper intéressant à savoir, c'est que comme tu l'as indiqué, le lundi, les joueurs et les caddies ont une journée sans spectateurs. Donc vraiment le parcours vous est réservé. Vous arrivez sur le parcours avec les différents caddies. Déjà, est-ce que tu peux nous indiquer, est-ce qu'il y a-t-il une différence, et là je parle uniquement sur le plan de caddie, y a-t-il une différence entre les tournois que vous vivez chaque semaine dans la façon de communiquer avec les caddies, vos caddies amis, avec qui vous marchez aussi souvent les parcours en parcours de reconnaissance sur le circuit européen, PGA Tour, etc. Et un parcours de Ryder Cup où là, bah, le but c'est justement, puisque vous êtes une équipe, c'est vraiment d'échanger les informations. Est-ce que cette dynamique est la même quand vous êtes sur l'European Tour, PGA Tour, ou est-ce que tu sens que c'est beaucoup plus individualiste quand tu es en tournoi sur l'European Tour? Ouais, je pense qu'automatiquement c'est différent quand on est tout seul en tournoi individuel avec son joueur, parce que déjà on est amené à moins se voir entre amis et caddies. Moi j'avais la chance d'en connaître 10 sur 12 avant de commencer la Ryder et de connaître sûrement 10 sur 12 de joueurs aussi. D'accord. Ouais. Personnellement avec qui on a joué, on a échangé. Donc ça c'était cool. Après, je pense que c'est différent en tournoi indiv, bien sûr, parce qu'on est amené à moins être avec nos amis tout le temps, ou d'accord, moins échanger avec ces gens-là, parce qu'on se voit pas. Mais est-ce que vous échangez quand même des infos le lundi sur un tournoi, on va dire l'Open de France, t'arrives le lundi. C'est possible, surtout avec la personne avec qui on va jouer, par rapport à quel coup. On risque de jouer, et l'autre qui joue les pairs, les impairs et tout ça, on en discute. Après, chacun fait pas mal son boulot avec son joueur, quoi. C'est vraiment, on a une discussion un peu globale de ce qui va se passer, mais après, toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, Victor, il marche parce qu'il est Victor, et donc chaque pièce individuellement forme l'équipe. Donc parce que chaque pièce marche individuellement, ça fait que ensemble, ça marche, quoi, pour moi. Après, je trouve que dans l'équipe européenne, ce qu'il y a, c'est que, et ça, c'est quelque chose qui tourne souvent, c'est que ben, dans la vie de tous les jours, on aime bien se chambrer, on aime bien rigoler, il y a une ambiance, il y a une ambiance incroyable, quoi. Ouais, il y a une ambiance un peu familiale, quoi. Dès le dimanche soir, on est arrivé, on s'est posé, on était que 4-5, et on a bu des coups. On a bataillé, on s'est raconté des anciennes histoires de Ballesteros à la Ryder, des situations avec Olazabal, des trucs. Et ça te met dedans, quoi. Et cette ambiance, elle est juste l'ambiance et la culture de la Ryder. Tu la vis, tu le sens, t'es au sein de la situation. Donc c'est juste un truc incroyable. Alors Tom, il y a pas mal de questions de la part de la communauté là qui est connectée. Une de la part de Sébastien Clément qui vient de poser une question. Côté préparation, t'entraînes-tu physiquement? Fais-tu d'autres sports? Alors, il marque, quand je pense, en rigolant, de la trottinette. Peut-être. Mais Sébastien, à qui on passe le bonjour, qui est là. Tu sais, Sébastien, il aime bien chambrer aussi. Mais la question est bonne. À part la dernière partie où j'ai repéré Sébastien, je vois quel Sébastien de qui on parle. Évidemment, Sébastien, caddie professionnel sur le circuit européen, qui est connecté avec nous, qui est un gars juste top et qui a cadé lui aussi des joueurs de très très haut niveau. Donc du coup, pour le coup, mais la question, la première partie de la question, elle est bonne, Tom. Ouais, bon, il me chambre pas mal. J'essaye d'aller à la salle, de courir le plus possible. Donc, sa question, elle est un peu piège. C'est vrai que depuis le début de l'année, il me chambre un peu en disant bon, tu vas à la salle, et c'est vrai que j'y vais assez souvent. Mais j'essaye de profiter en tournoi de. C'est
tu rentres vite dans un rythme de tournoi où tu passes quand même 6-7 heures au golf. Et après, tu rentres à l'hôtel, t'es vite affalé, tu vas manger. Donc, j'ai vraiment essayé depuis un moment, mais depuis cette année, d'essayer de me donner une routine un peu plus dynamique et de me bouger le cul, quoi. Alors justement, Tom, tu peux nous parler de, parce qu'on connaît, voilà, on a souvent entendu parler de la routine du joueur. On a souvent posé la question, mais rarement est-ce que les amateurs entendent parler de la routine du caddie qui est des fois plus intense que la routine des joueurs. Je sais, j'avais parlé à l'époque à un bon copain qui était le caddie de Lydia Ko, Jason Almeton, avec qui il a gagné l'Evian Championship, et il m'avait raconté que voilà, le lundi matin, moi j'arrive en avance par rapport à la joueuse qui arrive plutôt elle vers midi 13h. Moi lundi matin, je reconnais le parcours à pied, donc je vais le faire tout seul. De temps en temps, je le fais avec un ami. On marche le parcours, des fois il marche le parcours à l'envers. Enfin, tu vois, enfin il y a plusieurs façons de faire, mais moi ce que je voudrais entendre, c'est de ton côté, quelle est la journée type du caddie, et comment est-ce que ça va différencier entre le lundi et le jeudi par exemple en tournoi. J'ai toujours pris cette habitude là parce que bon, je suis arrivé sur le tour, je connaissais pas du tout les parcours et j'étais avec des gens qui connaissaient tous les parcours. Tous les cadets français m'ont vraiment pris sous leur aile et m'ont vraiment expliqué comment ça se passait, les parcours, les choses à voir. Donc ça c'était top. Et maintenant j'ai toujours gardé à peu près la même habitude d'aller marcher le parcours, que je le connaisse ou je le connaisse pas. En fonction de si je le connais ou si je le connais pas, ça va prendre plus ou moins de temps, mais j'ai toujours envie, en fait, avant qu'on plante le tee pour la première fois sur le parcours avec Alex, par exemple, j'ai toujours envie de pouvoir répondre à 100% à ses questions. Donc, peu importe le temps que ça prend, moi, s'il arrive à 16h le lundi, j'ai toute la matinée. S'il arrive à 11h, bah, je me lève un peu plus tôt et je vais quand même faire le ouais, il faut ça dépend, ça dépend. Ouais. Non, il faut que avant que ouais, le... Non, c'est moi qui m'excuse, c'est avant que le joueur arrive, il faut que tu aies toutes les informations à lui donner, à lui communiquer quand il arrive sur le parcours. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Après, il n'y a pas de vérité ou de, mais j'aime beaucoup être sûr de moi et sûr de ce qu'on veut faire et au moins proposer plus d'options et voir toutes les options qui peuvent se présenter à nous. Et Tom, donc quand tu vas marcher le parcours, quels sont les points clés que tu regardes quand tu vas faire le trou numéro 1, par exemple, de l'Albatros, du golf national, admettons qu'on est en semaine d'Open de France. Tu marches le trou numéro 1, tu fais le 2, le 3. Quels sont les points clés que tu regardes sur chaque trou? Quelles sont les choses que tu marques sur ton carnet? Je pense que déjà, d'avoir une bonne visu sur les 4-5 jours, même si ce n'est pas toujours évident, à voir, mais vraiment avoir une bonne idée de ce que va faire la météo ce jour-là, enfin les jours à venir. Quels vont être les vents dominants de la semaine, donc sur quoi s'attendre, parce que si on joue bien sûr le national, vent contre ou vent avec, O1, ça sera, il y a quasiment 4-5 clubs d'écart. Clairement. Et si on joue ferme ou soft, ça change complètement. Donc je dirais que les deux choses auxquelles je me prépare avant même de marcher le parcours, c'est savoir si le parcours est soft, s'ils annoncent des conditions soft, s'ils annoncent du chaud, si le parcours risque de s'affermir un peu. Ou ça va faire bien un peu pendant que j'ai le côté anglais qui ressort. Et si y a beaucoup de vent, pas de vent, et quelle sera la direction. Ça, déjà, pour moi, c'est vraiment les deux clés qui vont déjà après pouvoir définir comment on va jouer le parcours. Si on le connaît, on va avoir une ordre d'idée de comment on va jouer le parcours sur cette semaine-là, quoi. Donc la météo, parce que l'Open de France, on l'a vu sous différentes météos, et c'est le jour et la nuit sur le parcours, la façon où les joueurs... On voit des joueurs prendre, j'ai vu à l'Open de France sur le trou numéro 18, donc qui est un par 5 pour les amateurs, par 4 pour les pros, mais j'ai vu des joueurs comme Martin Keimer prendre un long fer sur le départ quand le terrain était plus sec et qu'il faisait chaud, et en même temps qu'il y avait du vent, ils étaient tous obligés de prendre driver parce que sinon la balle, ils trouvaient pas le fairway. Donc, ouais, on peut passer d'une semaine à taper 3-4 drives par jour à en taper 7-8, quoi. Donc ça change toute la stratégie, la donne. Après on est malheureusement mis à genoux un peu par le temps, quoi. On est dépendant de ça, on est dépendant des conditions, de la préparation du parcours. Toutes ces choses là c'est ce qui nous facilite ou pas la tâche plus ou moins sur la semaine, quoi. Donc lundi,
Voilà, le but c'est de prendre toutes les informations possibles par rapport au temps qu'il va faire dans la semaine, qui va ensuite influencer comment toi tu vas regarder le parcours de journée en journée, s'il y a du vent, pas de vent, s'il y a de la pluie, pas de pluie, le terrain soft ou dur. Donc tu vas noter toutes ces informations pour ensuite proposer plusieurs options à Alex quand lui va arriver. Donc ça c'est top. Maintenant le jeudi arrive. Admettons que voilà, le matin tu reçois les drapeaux le soir d'avant, il me semble. Donc le mercredi soir vous recevez les drapeaux. Est-ce que là avec Alex vous faites un rendez-vous ou est-ce que vous vous appelez, est-ce que vous dînez ensemble pour parler des positions de drapeaux et comment vous allez attaquer le parcours le lendemain? Bon, ça peut nous arriver de dîner ensemble le mercredi soir, mais c'est rarement pour discuter de. Donc non, c'est vrai que non, Donc c'est c'est pas plutôt nécessaire. détente. Non mais c'est bien de savoir, c'est qu'il y a un Non, côté voilà. c'est plutôt détente. Non, après mercredi soir, non, pardon, je me rectifie. Mercredi soir, vraiment, lui, il se prépare pour le lendemain, peu importe s'il joue tard ou tôt le lendemain. Après, le côté stratégique, la mise en place de notre parcours, je m'en occupe et le lendemain, je lui en parle un peu. Lui, il va regarder un peu les drapeaux et poser quelques questions par rapport à quelques situations. Mais on arrive souvent le jeudi matin avec les choses peuvent changer, bien sûr, au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure du temps qui change et où la sensation du joueur, comment il est, dans quel état il est, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il est en forme. Donc les choses peuvent évoluer au fur et à mesure de la journée. Mais on essaye de mettre tout à plat sur papier et qu'en arrivant le jeudi matin, lui soit clair de ce qui est faisable ou pas et quels sont les drapeaux qui vont par rapport à ces tendances être un peu plus faciles, quels sont ceux où il va falloir peut-être être un tout petit peu plus conservatif sur un côté du green. Toutes ces choses-là, il faut que ça soit prêt déjà avant qu'on plante le tee le jeudi matin, quoi. Alors, vous avez gagné à 3 reprises, tu me l'as dit, sur le circuit professionnel avec Alexander Levy. Le samedi soir, quand vous savez que vous êtes en dernière partie le dimanche, est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce que vous respectez votre routine que vous avez chaque semaine tous les deux? Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un peu plus de pression? Est-ce que tu arrives à bien la maîtriser? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des choses différentes qui se passent quand Alex est en dernière partie et joue la gaine le dimanche de ton côté? Alors, la plus grosse différence, c'est que quand il est en dernière partie et qu'il joue la gaine, il est très bon. Ça, c'est une chose que je dois dire que j'ai remarqué. Sur les 3 fois où il a gagné. Moi, il m'impressionne. Après, la difficulté dans ce jeu, c'est de se mettre dans cette position-là le plus de temps possible. Mais demain, on me dit, tu as besoin de quelqu'un de ton côté qui va se donner à 100% le dimanche pour gagner. Je pense que, je veux dire, il fait partie des rares personnes qui n'ont pas peur de se mettre en avant et d'aller chercher une victoire. Donc déjà, ça, la première fois, ça m'a intrigué. Bien sûr qu'on essaye de tout faire le samedi soir, pareil. Mais le cerveau, Ouais, il peut être assez coquin à des moments donnés. J'aime bien ça. J'aime bien le terme coquin. C'est un peu ça. Hein. C'est parce que donc, ouais, il faut pas négliger les émotions. On va avoir des émotions non, différentes. C'est normal. C'est ça. Les émotions, elles sont toujours là. Je pense que les gens qui disent qu'ils ressentent rien, je pense qu'il y a des gens qui contrôlent plus ou moins leurs émotions. C'est mon avis. Et je pense que obligatoirement, il faut revenir sur quelque chose de présent, sur quelque chose que l'on peut faire, des choses que l'on peut contrôler. Je sais que ça fait un peu cliché de dire ça parce que tout le monde en parle, mais c'est vrai que revenir sur les choses qu'on peut contrôler. Mais bon, le samedi soir avant, ouais, ton cerveau il fait n'importe quoi. Obligatoirement, tu t'imagines des scénarios. Qu'est-ce que tu fais? Et puis bam, ça te ramène dans le présent à chaque fois où tu te dis ça c'est pas toi, reviens. En tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Donc, Tom, mais c'est une ouais. sensation incroyable, c'est génial de pouvoir vivre ces moments-là, quoi. En fait, moi ce que j'adore quand je t'écoute, donc en tant que coach, c'est mon job, c'est aussi de toujours faire le lien, tu sais, avec les joueurs amateurs qui nous regardent et les aider à améliorer leur jeu et déjà de comprendre que les gars, et messieurs, mesdames, c'est tout à fait normal de ressentir des choses. Auxquels on s'y attend pas forcément, ou en tout cas peut-être qu'on peut les anticiper, mais le samedi soir quand on va jouer la gaine le dimanche, c'est tout à fait normal de ressentir une pression. Et ce que tu as dit si bien, c'est qu'il y a des joueurs comme Alex hein, qui en fait quand ils arrivent dans cette situation sous pression, en fait ils performent mieux
quand ils arrivent dans cette situation, parce que peut-être que justement Alex, il voit ça comme quelque chose de hyper positif quand il est en dernière partie, c'est quelque chose qui l'excite, et quand il arrive dans cette position-là, ça élève son jeu, plutôt que certains joueurs où ça peut détruire leur jeu quand ils sont sous pression et qu'ils ont du mal à la gérer. Donc peut-être que c'est quelque chose sur lequel Alex a travaillé, peut-être que c'est quelque chose qui est inné, ou peut-être que c'est quelque chose qu'il a développé quand il était joueur amateur et qu'il a pu disputer de nombreux tournois sur le plan mondial en tant qu'amateur. Mais voilà, il y a des joueurs sous pression qui performent mieux parce que justement ils arrivent à gérer cette pression, et c'est quelque chose qui les aide plutôt que c'est quelque chose qui les détruit. Mais dans le cas d'Alex, le dimanche, donc là vous êtes sur le parcours. Toi, tu l'as si bien dit, tu ressens des émotions, mais en fait, ces émotions, elles sont là aussi pour te faire comprendre que, ok, il faut revenir au moment présent, d'accord? Donc, toutes ces émotions-là sont complètement humaines, et c'est pas parce qu'on est amateur ou pro ou caddie, on les ressent tous, ces émotions-là, et il faut savoir comment les gérer. Donc, toi, quand tu es sur le parcours avec Alex et que tu sens que, est-ce que tu as senti qu'il y avait déjà des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres, ou est-ce que tu as réussi, toi, à trouver un système pour te ramener plus facilement dans le moment présent? Est-ce que tu as dû trouver les mots justes pour Alex, le dimanche, pour l'aider à finalement arriver à la ligne d'arrivée en pole position? Enfin, tu vois, est-ce que tu as des petites choses à nous raconter? Je pense que à partir du moment où on arrive sur le départ, moi, pour ce qui est de mon cerveau qui voyage un peu, qui peut penser un peu à tout et n'importe quoi, dont je contrôle pas, j'arrive à le mettre de côté. Alors, je sais tellement qu'il faut que j'essaye de garder de la lucidité pour Alex, et que lui reste lucide surtout, que en fait, je trouve pas vraiment le temps de partir à droite à gauche et de réfléchir un peu Ouais, t'es tellement concentré sur ce que tu dois faire que Ouais, du coup. après, tellement concentré, oui, bien sûr. Après, on a des moments où on déconne, où on bataille, où on parle un peu de tout et rien, mais je trouve pas le temps, en fait, pour moi, de me dire, ouais, ça serait cool si on gagne, les choses auxquelles je peux penser samedi soir, ouais, ça serait cool si on gagne, je veux dire, voilà, on peut faire la fête après. Tout ça, c'est C'est à fini. côté, À c'est partir de... fini. Ouais, c'est inexistant. Donc ça, pour ma part, je pense que j'arrive bien à me comprendre, à le cerner. Mais je pense que le truc aussi, c'est qu'on sait tellement qu'il faut... C'est vraiment dans ces moments-là où il y a des moments un peu durs, où le cadet, il peut être vraiment important. Et t'as pas le temps de trop penser à toi, ou ce qui peut t'arriver, ou ce qui peut pas arriver aux deux, ou ce qui... C'est vraiment... Moi, pour moi, ma concentration numéro une, c'est sur comment est Alex, voilà, ou comment est-elle le joueur. Après, c'est des choses où je pense qu'avec de l'expérience, tu sais comment réagir de mieux en mieux dans ces situations-là. Je pense que c'est une chose où j'étais pas aussi. Je pense que je suis meilleur maintenant que je ne l'étais avec Victor, et j'étais meilleur avec Victor que je ne l'étais sûrement avant. Et que donc c'est une Bien chose sûr. en vraiment connaissant la personne avec qui tu travailles, et en échangeant, et en prenant de l'expérience, en étant dans ces moments-là, que tu deviens meilleur. Donc je pense que sur ce point-là, j'évolue, et maintenant on évolue en équipe avec Alex. Après, il faut juste garder, la tête froide, et essayer de comprendre pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on doit faire, quoi. Ouais, Pour moi, donc c'est le plus important. ce que j'apprécie, Tom, c'est déjà ta transparence, tu vois, le fait de partager avec nous tes émotions le soir d'avant sur le parcours, et de dire bon, voilà, en fait, finalement, j'arrive à mieux gérer les choses quand je suis en situation de jeu, et que le samedi soir, quand tu as le temps de penser, quand tu es dans ta chambre d'hôtel et que du coup, tu n'es pas sur le parcours, c'est là où ton cerveau va se préoccuper, il va commencer à avoir des pensées qu'il n'a pas le dimanche quand tu arrives sur le départ numéro 1. Là, maintenant, c'est boum, là, je suis concentré sur ce que je dois faire. Tu l'as dit, il y a des moments où vous déconnez, etc. Mais en fait, c'est à partir du moment où tu es engagé finalement sur le parcours que là, ces émotions du soir d'avant commencent à disparaître, ou ces pensées commencent à disparaître, et que là, j'ai un focus, et c'est le joueur et le process, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu te dois d'être à 120% présent, quoi. Donc, peu importe ce qui te met dans cette présence à fond, il faut essayer de trouver le moyen, et à ce que le joueur, il puisse mettre son coude sur toi s'il a besoin. S'il n'a pas besoin, tant mieux, déroule, vas-y, fais ton truc. Et s'il Alors, a les... besoin, il faut être là. ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, tu es préparé à plusieurs scénarios. S'il a besoin, boum, t'as. Tu essayes en tout cas. Question de la part de Anne-Marie Nathan, qui pose une question pour toi, Tom, directement.
qui dit bonjour Tom, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir caddie? Honnêtement, au début, il n'y a pas grand-chose qui m'a motivé. J'étais un peu. Je pense que, pour être honnête, je pense que dans les passages de vie, on est un peu dépendant des gens que l'on rencontre et qui nous guident un peu. Et moi, ça faisait assez longtemps que je n'étais plus chez mes parents et j'étais dans un entourage de gens qui m'ont vraiment. Vraiment aidé dans tout, à me trouver, à savoir ce que je voulais faire. Et c'est passé par passer mon diplôme d'enseignant à faire cuire des burgers dans un snack avec un ami, à bosser dans un bar, faire de la plonge. Et y a un moment où en fait, tu t'en rends pas compte, je trouve. Tu t'es bien entouré et les choses finissent par se mettre en place. Finissent par en place et en fait c'est énormément de chance. Moi j'ai une chance insolente d'arriver là où je suis aujourd'hui, vraiment je le dis. Après je pense qu'il faut avoir le caractère pour profiter de la situation et optimiser le truc, mais j'ai une chance énorme et voilà, la chance de Benjamin Hébert pour commencer. Il faut savoir que j'ai commencé avec Benjamin Hébert, je passais aussi mon BP, donc je pouvais pas tout le temps être là. Et Ben a quand même gagné 3 tournois du Challenge Tour sans que je sois là sur le sac. Donc, chose qui est, quand tu commences à cadayer, ça c'était une période où je dis, voilà, c'est nul ce truc, quoi. Le mec, je suis là, on fait pas de résultat, je pars, il gagne. Je me dis, ouais, ça sert à rien que je fasse ce métier-là, ça me plaît pas, c'est ingrat. Et en fait, je m'y suis tenu. Et surtout, Ben m'a donné une chance de continuer, surtout. Il voulait que je le cadaille sur le tour. Et encore une fois, je reviens, mais la chance, quoi. La chance d'être dans ce moment-là, de profiter de ce moment-là et de continuer. Donc, il n'y a pas réellement, au début, il n'y a vraiment pas eu une envie à me dire, j'aurais aimé être caddie. Je voulais juste trouver un peu ma voie. Et dans le truc que j'aimais, c'était le golf. Donc je pense avoir réussi à au moins... avoir mis un pied devant l'autre dans cette direction-là. Ce qui est assez impressionnant, c'est que tu as cadié quand même 3 joueurs qui, à un moment, ont été un numéro 1 français, il me semble. Benjamin Hébert, Victor Dubuisson, Alexander Levy, c'est 3 joueurs qui aujourd'hui vont faire partie des joueurs avec des palmarès français dont on se souviendra pendant des décennies. Et tu as eu l'opportunité d'être là avec ces 3 joueurs. Et donc, comme tu le dis, le caddie que tu étais avec Victor n'était pas le même caddie que tu étais avec Benjamin, et le caddie que tu es actuel avec Alexander n'était pas le même avec Victor, parce que tu évolues en fait d'année en année et tu apprends. Et comme le joueur, lui, évolue son jeu, toi, tu évolues aussi à travers tes expériences. Est-ce que tu apportes en fait finalement au joueur avec qui tu es actuellement, quoi. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Tu me permets de poser une autre question, vas-y, Tom. Vas-y. Il y a Ellie Spar qui est là. Je dis juste, j'ai pas eu la chance d'avoir Benjamin Hébert quand il était numéro 1 français. C'est Yann Vandal qui le cadaye, un très bon caddie qui a cadayé Julien Ken, qui a fait avec Julien Ken. Oui. Et c'est lui à l'heure actuelle qui est avec Benjamin Hébert et qui. Ouais. Ouais, complètement. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as été avec 3 joueurs qui, en un moment, étaient numéro 1. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Alors, une question de la part de Ellie Spar qui dit bonjour. Est-ce que le caddie change son expertise en fonction du tempérament du joueur? Alors ça, c'est intéressant. La raison pour laquelle je sélectionne cette question, c'est parce qu'on sait que, voilà, on a parlé tout à l'heure de Victor qui a sa façon de faire les choses. Et quand on regarde Benjamin, Victor et Alex, on a 3 swings différents, on a 3 façons de faire différentes. Donc est-ce que toi, tu changes ton expertise en fonction du tempérament du joueur, ou ne doit-il pas s'imposer son point de vue et sa stratégie? Merci. Alors, je pense que la qualité numéro 1 d'un bon cadet, parce que un bon cadet, c'est très dur à déterminer qu'est-ce que c'est un bon cadet, mais je pense que la qualité numéro 1, c'est de s'adapter au mieux possible à la personne avec qui on a en face. Alors, il y a des binômes qui ne sont pas faisables du tout, et il y a des binômes qui peuvent coller. Et je pense que le but d'un bon cadet, c'est vraiment de savoir qui c'est qu'on a en face et de s'y adapter le mieux possible. Et je pense que
je pense que comme tu disais, comme je disais avant, le travail que j'ai fait avec avec Benjamin au tout début où j'avais zéro expérience et où moi-même je dis que je n'aurais quasiment, enfin je n'aurais pas dû avoir cette place-là parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui, j'en suis très content d'avoir pu caler Ben et avoir pu progresser. Mais à ce moment-là, j'avais zéro expérience et pas grand-chose à lui amener, si ce n'est la motivation de vouloir progresser. Avec Victor, c'était vraiment la première personne que je voyais jouer aussi bien, et on jouait avec les meilleurs mondiaux. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup progressé, ça m'a amené énormément de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, si je devais travailler pour Victor, je le ferais d'une manière différente et je pourrais lui apporter beaucoup plus, parce que l'expérience a fait que, et les situations ont fait que, après les années, j'ai pu développer des conseils, des compétences, ouais, des connaissances et une façon aussi de gérer, de comprendre et de gérer l'être humain. Je parle pas du côté mental, mais juste émotionnellement comprendre de quoi la personne a besoin, de moins prendre les choses peut-être personnellement et de, dans le seul but de que le joueur soit le plus performant, quoi. Top, top. Et c'est très très bonne réponse. Et comme tu dis, voilà, ça. Ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est vrai, c'est que si tu pourrais aujourd'hui retourner sur le sac de Victor, mais avec des compétences différentes, ou en tout cas qui se sont améliorées grâce à toute l'expérience que tu as pu accumuler sur ces dernières années. Et donc du coup, ben voilà, une personne qui évolue pas, c'est une personne qui a perdu finalement, tu vois, je crois que c'est Mohamed Ali qui disait, si j'ai la même façon de penser à 50 ans qu'à 30 ans, j'ai perdu 20 ans de ma vie. Enfin, tu vois, on a des similitudes finalement dans la façon de d'entendre ce que tu es en train de communiquer avec nous. Donc, il y a Elisabeth Callas qui est joueuse professionnelle aussi, qui a posé la même question. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu des questions similaires et qui nous remercie, qui dit merci pour ces sujets intéressants et de nous faire partager de l'expérience de chacun présent sur les lives. Donc vraiment top. Merci beaucoup Elisabeth hein, pour ce commentaire. Rémi Bédu qui est là, qui dit super intéressant. Alors moi, Tom, je voudrais juste avant, on va également alors rester avec nous, les personnes qui sont toutes connectées. On est presque 200 personnes qui sont là durant le live. Donc merci, un grand merci à vous. On va parler stratégie de jeu dans quelques instants. Tu vas partager avec vous ton analyse. On va rentrer dans le cerveau du caddie pour voir un peu comment il voit un trou et comment tu peux optimiser en fait finalement le trou par rapport au jour, donc la météo, et on va parler aussi par rapport aux conditions du joueur, comment ils se sont actuellement. Juste avant ça, on a eu l'énorme opportunité d'être en live avec Alex la semaine dernière, donc Alexander Levy, avec qui tu travailles depuis 5 ans, tu m'as dit, 3 victoires. Là, ça fait un an maintenant qu'Alexander a pris des décisions pour changer d'entraîneur, il y a eu du changement dans le staff, et on en a parlé juste avant ce live, du fait que voilà, c'est une année qui est probablement la plus intéressante pour Alex parce que il fait des choses qu'il n'avait pas fait auparavant, il prend des décisions qui va lui permettre de pour lui en tout cas l'objectif de ces décisions, c'est pour l'amener au sommet mondial. Donc toi qui vis en fait tout ça depuis l'intérieur avec ces différents coachs qu'il a à la fois Sean Foley qui est son coach américain, mais il a également les coachs en France qui le suivent aussi, comment est-ce que vous vivez dans l'intérieur, comment est-ce que vous l'accompagnez dans cette transition finalement pour ensuite lui permettre de grimper l'échelle et de retourner au sommet mondial? Je pense que il y a eu des changements l'année dernière qui étaient très importantes. Après on a tous vécu une saison vraiment pas bonne, bien sûr on regarde que les résultats, mais les choses sont beaucoup moins noires à l'intérieur que qu'ils ne paraissent de l'extérieur. Voilà, c'est ça qui est important. C'est ça qui est vachement important. Ouais. Et en tant que membre du staff et membre d'une équipe, on le voit. Donc ce qu'il faut, c'est faire un peu abstraction à ce qu'à la limite les gens peuvent dire ou ce qu'on pense que les gens peuvent penser. Ça a très peu d'importance au final. Donc en regardant les choses de l'intérieur, il y a des choses vachement positives. Après, comme disait justement Alex dans une interview récemment, il a perdu un peu, je pense, ses priorités, qui ne sont pas venues, qui n'étaient pas spécialement golfiques. Je pense qu'il a eu une blessure de 2 mois l'année dernière qui ont fait que il était concentré sur autre chose que du golf. Moi, je le chambre souvent avec les Marseillais à Cancun et j'ai l'impression qu'il
Il aimerait bien jouer là-dedans. Mais il te Et chambre aussi en même temps, donc c'est pour ça que je rigole parce qu'il y a Alexander qui est connecté et alors je crois qu'il répondait par bon. rapport à tout à l'heure, mais il dit il a la chance d'être anglais pour ça. Donc à mon avis, ça doit être par rapport à ce qu'on quelque chose que tu as dit tout à l'heure, mais voilà, il est en live, Donc on lui passe un coucou. voilà, donc on a fait un peu 2 mois de Marseillais télé-réalité. Non, je pense que c'était une période un peu dure où il était loin du golf. Il avait vraiment de l'attente avec les nouveaux changements qu'il avait fait avec Sean. Il s'est mis en bonne position au premier ou second d'un tournoi. Il a été blessé après. Ça a un peu tout coupé. Les yeux n'étaient pas faits spécialement en face des trous par rapport à ce qu'il y avait à faire cette saison-là. Et tout a enchaîné un peu dans le gris, pas terrible, au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'était au final une super période à nous tous de s'en rendre compte comment il fallait être pour être plus performant. Moi, comment je pouvais m'adapter mieux avec Alex pendant cette période. Ce que lui devait faire pour progresser aussi. À tous les membres du staff de se souder encore plus pour essayer d'amener des solutions à la table. Et je pense qu'on amène les solutions. Je pense pas que ça se voit tout de suite. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui vont sortir de ce qui se passe. Avec Sean, avec Mathieu qui fait le relais donc en France, et donc il a son préparateur physique et son ostéo aussi dans l'équipe. Ça nous fait du beau monde, quoi. Alors Tom, t'as des potes de connecté là, t'as Romain Langasque qui est là aussi, un gars un ami qu'on a en commun qui dit salut Ça? Baoli, et Romain Langasque qui dit Ah, je rigole. qui ça c'est qui lui qui dit salut Baoli. Alors peut-être que je trouve que en fait dans ce que tu dis c'est génial parce que je voulais revenir sur la voilà sur notre page à nous. En fait les amateurs. Tu as dit, je voulais appuyer sur un point que tu as dit tout à l'heure. De l'extérieur, on voit une saison noire, dans le sens où on regarde, tu sais, les joueurs dans la semaine, les joueurs amateurs, moi je les vois, quand je coach, ils regardent leur application European Tour, ils regardent les résultats, ils disent, ah ouais, pas terrible. Mais en fait, de l'intérieur, ce qui est génial, c'est que on a parlé avec Alex, le focus sur le process, de se dire, ouais, ok, les résultats, pas forcément au rendez-vous, on a fait aussi la comparaison avec Tiger Woods, qui, au moment où il était numéro mondial, a dû faire des choix difficiles aussi, parce que lui, il sentait qu'il n'évoluait pas, et que du coup, pour évoluer, d'ailleurs, il a fait appel à Sean Foley aussi, à un moment dans sa carrière pour évoluer, a transitionné vers un autre coach, alors qu'il était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Et ça lui a fallu un an et demi de transition pour être complètement à l'aise sur le parcours. Avec ses nouvelles façons de faire, les nouvelles décisions qu'il avait prises. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait une seule fois, c'est quelque chose qu'il a effectué à deux, trois reprises avec ses changements. Donc, pour les personnes qui nous regardent, quand vous regardez des fois des résultats sur l'application du European Tour, sachez que ce n'est pas uniquement noir sur blanc, voilà ce qui est en train de se passer, ce n'est pas juste le score. Le joueur n'est pas un reflet de son score, finalement. C'est ça, hein, c'est le staff et tout ce que vous faites à l'intérieur des cordes. C'est de travailler vers un résultat sur le long terme. Et des fois, l'investissement que vous effectuez est un investissement qui n'est pas un investissement court terme, mais un investissement que vous faites sur le long terme. Surtout pour un joueur qui est Alexander, qui a partagé avec nous la semaine dernière, il est en train de faire des choses qu'il n'avait pas forcément l'habitude de faire. Donc, ces nouvelles habitudes, ça prend un petit peu de temps. Et toi, en tant que caddie aussi, tu dois justement apporter tout ça et d'être au service du joueur pour te dire, ok, on va vers là-bas, et ce qu'on a vécu pendant les derniers quelques mois, là, c'est pas grave si les résultats sont pas au rendez-vous, parce qu'on sait qu'on va vers quelque chose de plus haut. Ouais, bien sûr. Après, je pense qu'il faut juste faire abstraction à ce qui peut se dire, à pas vouloir vraiment écouter. Il faut être focus sur ce que tu peux faire, quoi, sur ce que tu peux gérer, ce que tu peux. Et c'est beaucoup plus facile à dire en tant que membre du staff que la personne elle-même à ne pas écouter, à ne pas se rendre compte de ce que les gens peuvent penser. C'est super dur. Mais le problème, c'est que je trouve que dans la vie, dans la génération que l'on est à l'actuelle, notre vie, elle est entourée de ça, quoi. Elle est entourée de réseaux sociaux, de ce que les gens pensent de moi, de ce que je publie. Donc, Toi d'ailleurs, tu y es très peu finalement, hein, sur le réseau. Tu m'as dit la semaine dernière, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que tu allais très très peu sur les réseaux, quoi. Donc tu fais un peu aussi abstrait.
Ouais, j'essaye parce que ouais, déjà je pense pas que ça me rend meilleur et ouais je suis pas je, enfin je suis plus j'ai peut-être des je crois que les comptes existent toujours mais j'ai plus Instagram ou Facebook, j'ai juste Twitter sur lequel je suis abonné où je geek un peu sur les trucs de golf mais c'est vrai que sinon non mais après ce que je veux dire c'est que notre génération elle nous pousse vers vouloir faire plaisir aux gens, être beau, être et donc quand on est dans une période difficile comme ça, c'est dur de pas rentrer dans ce jeu-là. Et donc quand on est au sein de la situation, on se rend compte que les choses sont beaucoup moins noires et sont en train de progresser. Après, quand quelqu'un te demande, ah, au fait, comment il va Alexander? Si je devais expliquer tout ce qui se passait, qui me fait croire qu'on va sur le bon chemin, on en a pour des journées, quoi. Ouais, bien C'est tout ce qui sûr. se passe tout au long des jours, tout le temps. Donc c'est vachement difficile d'expliquer aux gens et puis au final ça a tellement peu d'importance quoi. Ouais, ça, et ce qui est aussi génial Sans aucun manque de respect hein, bien sûr hein, bien mais je veux sûr, dire ouais, non, mais mais ce qui est important, c'est que à partir du moment où vous avez choisi une direction, que vous respectez ce chemin et que vous êtes tous, ce qui est génial dans le staff, c'est que vous êtes tous alignés. Et que vous êtes tous sur la même page et que c'est ça le plus important, c'est que le personne qui entoure Alexander au quotidien, vous savez exactement dans quel chemin vous y allez, comment y aller, et puis voilà, vous respectez votre truc. Et ce qui est top aussi, c'est que par rapport à ce que Alex a pu vivre avant, donc quand il a eu ses 3 victoires avec toi, la prochaine fois qu'il sera dans une situation similaire où il est dans une position de gagne, il a déjà ce trait de caractère. De quand il est en dernière position, tu l'as dit toi-même que lorsque la pression est là, boum, il est élevé à un niveau supérieur et donc du coup ça par contre ça part pas, ça reste. Donc en fait c'est juste une question de temps pour le remettre en dernière partie le plus souvent possible et on sait qu'ensuite l'Alexander qu'on connaît sous pression va prendre le dessus et va sprinter à la ligne d'arrivée quoi. Ouais, Donc on exactement. sait ça, on sait qu'il est capable de le faire déjà. C'est ça qui est top, c'est ça que je veux dire. Ouais, 100%. Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est juste sur une situation où il faut essayer de retrouver un peu ses pole positions, si on peut appeler ça comme ça. Et après, bah, le garçon, il sait faire. Après, hein. Je pense pas que ça soit deliné. Je pense qu'il s'est tellement mis dans des situations comme ça, en amateur, en jeune, il est compétiteur, il aime le jeu. Qu'il a développé cette faculté de se sentir à l'aise dans ce monde. Alors après, oui, bien sûr qu'il a la pression, bien sûr qu'il stresse, mais comme je disais, après, il arrive juste à le gérer un peu mieux que certains qui n'y arrivent pas, quoi. Donc, c'est une super qualité en tout cas. Alors Tom, parlons un peu stratégie de jeu que tu effectues avec Alex aussi. Je sais pas s'il est toujours connecté ou pas. On va voir s'il va confirmer les informations que tu vas nous donner. C'est un peu comme un test. On va voir ça. Mais avant ce live, quand je t'ai appelé la semaine dernière, je t'ai dit voilà Tom, ce qui serait génial, c'est que tu puisses partager avec nous un trou que tu adores, qui nous permet de parler de différentes stratégies de jeu, différentes façons de faire en fonction de la météo, en fonction du jeu aussi de le joueur avec qui tu caddies. Donc tu vas sélectionner le trou numéro 13 du Golf National. Donc on n'aurait pas pu rêver mieux, le parcours de la Ryder Cup, le parcours de l'Open de France, un parcours que tu connais très très bien, que tu as joué à plusieurs reprises avec Alex du coup aux côtés d'Alex. Donc ce que je vais faire en même temps, Tom, si tu me le permets, c'est que j'incruste en fait la vidéo du flyover dont toi tu vois pas, mais tu as le carnet de parcours sous les yeux, puis on va le montrer dans quelques instants. Donc voici le flyover du trou numéro 13, qui est un par 4. Alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, pendant que les gens sont en train de regarder la vidéo en 3D du trou, et on dit un grand merci au passage à Tagueur, qui en fait est l'application qui nous a permis d'effectuer cette vidéo et de pouvoir vous la proposer et partager avec vous. C'est une application pour les amateurs qui leur permettent en fait de connaître les distances de chaque trou, qui est absolument phénoménal. Moi, je l'utilise depuis un moment et j'adore voir les trous en 3D comme ça. Donc, Tom, parle-nous un petit peu de ce trou numéro 13 et pourquoi il est assez complexe finalement. Moi, je pense que pour moi, c'est un de mes trous favoris au national. Après, je sais qu'on parle souvent des 4 derniers, mais pour moi, c'est un des trous. Je trouve qu'il y a une mise en jeu vraiment compliquée et il y a un choix vraiment clair à faire du tee par rapport à une position de drapeau. Au passage, Tom, juste je précise qu'il y a Alexander qui est là et qui dit Je sais de quoi il parle. la stratégie, c'est quoi? Je connais pas.
Cette année, malheureusement, on s'est retrouvé à jouer de l'autre côté du lac. c'était clairement pas la bonne. Non, mais après, c'est vraiment un t-shirt où il faut avoir un choix clair. Et je trouve que c'est un trou où tu décides d'être un peu plus à l'attaque sur la mise en jeu et de taper un driver ou un bois 3 s'il y a vent avec pour passer les 2,55, 2,60. Où tu décides de faire un lay-up aux alentours des 210 mètres, mais le problème c'est que si tu prends pas cette décision agressive dès le départ, ça te repousse juste la difficulté sur le trou au coup d'après si tu fais un lay-up, quoi. Alors je partage en même temps avec les spectateurs, l'audience, la photo du carré de parcours que tu es en train de regarder en ce moment. Donc un grand merci à toi de partager le carré de parcours parce que c'est quelque chose auquel les amateurs n'ont pas forcément accès, ou en tout cas ils n'ont pas le même carnet de parcours que vous avez, et là tu prends des notes. Donc on voit, tu as dessiné deux cercles en bleu, et ces deux cercles ils sont hyper intéressants. Tu as le drive dont tu m'as parlé, le drive qui va atterrir ta balle à peu près à combien sur le trou, sur cette mise en jeu? Bah, on va dire qu'un drive normalisé, on va être sur du 270 mètres au pitch. D'accord, donc il va rester... Vas-y. Alex dira peut-être un peu plus avec son côté marseillais, mais on est quand même... C'est ce que t'es sûr, j'attendais le drive. Ah, trop facile. Donc du coup, il va lui rester 100 mètres. Après, bon, bien sûr, la difficulté, là, on est en train de jouer comme si on était normalisé sans vent, quoi. Donc la difficulté, bien sûr, sur ce trou, elle est, si on met un vent sud-est contre de la gauche, ou juste un vent d'est, c'est là où le trou, il devient tout de suite un peu plus compliqué, parce que notre 2,50 à carrier, ça commence à être un peu limite avec beaucoup de vent en compte, comme on peut le voir au national, donc ça change un peu la donne du trou, mais sans vent on va être sur du 2,70. Donc nous on a la chance, en fait on travaille d'une manière où on prend chaque club pendant le tournoi, et en fait par rapport à la cible que l'on vise fictive, qui n'est pas toujours le drapeau, donc ça c'est bon aussi pour les joueurs amateurs, nous on joue peut-être allez trois fois droit au drapeau dans une partie, réellement droit dessus, et après on prend des marges de dispersion ou des marges d'erreur où on place notre drapeau fictif par rapport à... Alors parle-moi de ça, là ça devient hyper intéressant là, Tom Lair, le fait de viser un drapeau en sachant qu'il y a une certaine dispersion, est-ce que vous avez du coup utilisé le trackman juste avant avec le coach pour et toi tu prends des notes et tu sais que voilà, avec tel fer Alex a tendance à avoir une dispersion de temps, creuse un petit peu dans tout ça. Alors, je pense que le problème avec le Trackman, enfin le Trackman c'est un outil incroyable et j'adore, le problème du pas du Trackman, mais le problème du practice, c'est qu'on n'a pas toutes les inconsistances de l'AI. Donc nous, ce que l'on fait, et puis bon, c'est Scott Fawcett qui fait ça avec Decade, et après nous on se l'agrémente de notre façon pour que ce soit encore plus pertinent par rapport aux joueurs. On va prendre, en fait, moi je prends tous les données sur le parcours de la cible que l'on vise, et par rapport à cette cible-là, en temps réel du parcours, et par rapport à l'oil fini, par rapport à sa cible fictive, on crée une base de données de dispersion des coups. Et ce qui fait qu'on va pouvoir s'en servir sur une prochaine fois en tournoi. Donc on crée une dispersion avec un fer 9, un driver, un bois 3, un fer 3 sorti, toutes ces choses-là. Donc on a une shot pattern, un nuage, qui correspond à quelque chose de réel, en temps réel, sur le parcours du fairway et du tee. Donc par rapport à ça, on sait que, par exemple, Alex, il peut mettre, 75% des drivers dans 30 mètres de large. Donc quand on va arriver sur un trou comme le 13 au national, on va déplacer notre centre du fairway, qui peut être de temps en temps dans le rough, en fonction du choix stratégique, donc de finir dans le rough, des fois c'est bien. Par rapport au choix qu'on a pris, et on va prendre notre centre de visée, donc notre comme si on avait un fusil, notre canon, et on va viser, par exemple là pour le coup on jouerait 7 mètres à gauche du centre du fairway au 13 du national, pour avoir notre nuage de dispersion sur ce trou là donc toute cette data on s'en sert, et puis ça refait de la data pour après qui donne des dispersions super intéressantes sur qu'est-ce qu'Alex il est capable de faire. Quelles sont ces dispersions, vent contre, vent de la droite, vent avec, drapeau à gauche, drapeau à droite, est-ce qu'il a plus de mal à aller chercher un drapeau à droite, est-ce qu'il ne faut pas juste taper
un draw sur tous les drapeaux, ou est-ce qu'il faut essayer de temps en temps de contrer les vents? Toutes ces questions, toutes ces data amènent des questions auxquelles nous, petit à petit, on peut répondre, ce qui nous permet de prendre des choix encore plus pertinents qu'avant sur des trous comme le 13 qui sont vachement délicats, quoi. Ouais, toi, waouh, c'est parce qu'on ces décisions. En plus, vous avez un temps de décision qui est déterminé hein, par le circuit. Si vous dépassez le temps, donc il y a des points de pénalité. Donc toutes ces choses-là, tu dois les prendre en considération en l'espace de quelques minutes, quoi. Il faut que la décision elle soit hyper rapide et il faut que toi tu puisses sortir tous les bons data, limite des fois instinctivement, mais des fois j'imagine que tu te replies sur ton carnet pour proposer à Alex ensuite la meilleure décision possible. Est-ce qu'il y a des moments des fois où peut-être, bon, alors peut-être sur ce trou numéro 13, mais un autre où Alex peut-être il a pris une certaine décision? Et que toi, par rapport à ces data que tu viens de m'expliquer, peut-être que Alex n'a pas pris en compte un certain élément que tu as décrit. Est-ce que toi, tu lui dis, attention Alex, là, tu vois, il y a ça à prendre en compte, et par rapport aux données, on sait que, tac, tac. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Oui, bien sûr que ça arrive. Après, là, je pense que la communication, elle est clé, et c'est quelque chose que, de plus en plus, on arrive à être très bon là-dessus. Donc, on essaie d'échanger. Bien sûr, il y a toujours le côté un peu marseillais en lui qui me dit « Attends, t'inquiète, je l'ai ». Et donc là, je me mets à inquiéter. Et le problème, c'est qu'il est très, très bon. Et du coup, ben, il y a certains coups qu'il arrive à faire. Et des fois, il faut aussi avoir l'intelligence de laisser faire le joueur. Donc, toutes ces choses-là sont faites en amont. Donc, c'est ce que je disais dans la préparation du parcours, savoir comment on va jouer les trous, tout ça. Donc les décisions, il faut qu'elles soient rapides, mais on a déjà une idée claire. Moi j'aime bien l'exemple du cartésien qui laisse exprimer après le côté instinctif du joueur. Et je pense que plus tu es cartésien et plus tu fais des choses carrées qui sont logiques, plus ben, le côté instinctif d'Alex va être meilleur dans la créativité et tout ça. Donc je pense que c'est une bonne façon de le faire. En tout cas avec Alex. Parce qu'il y a des fois où tu as les données, tu sais, il y a des fois où tu sais que logiquement ça doit être ce club-là et jouer le club de cette façon-là, et il y a des fois où le joueur il ressent quelque chose. Tu as des fois où le joueur il ressent un truc et il dit non, je le ressens comme ça, et tu peux pas l'expliquer, mais le joueur lui, des fois il faut aussi le laisser. Parce que finalement, c'est lui qui a le club en main, qui est devant la balle, et qui lui, doit être le plus important pour lui, c'est d'être sûr à 100% de ce qu'il a envie de faire. Donc des fois, il y a le feeling qui va au-delà aussi des données, j'imagine. Ah, bien sûr. Après, le but, c'est que le joueur il soit 100% convaincu que sa décision est bonne. Parce que c'est comme ça que tu vas te donner le plus d'opportunités à réussir le coup. Ça arrive vachement souvent de discuter, et que, comme je disais, Alex il dit ah non, je la sens comme ça et tout. Mais je pense que plus tu fais un travail en amont et une récupération de données cartésiennes, plus sa logique à lui évolue aussi, et que il garde toujours ce côté créatif, mais son côté créatif il devient plus logique. Parce qu'on l'a tous ressenti en tant que joueur. Et le fait que tu es donc tu es diplômé aujourd'hui, tu as la capacité, si tu as envie d'enseigner, de coacher, tu es un joueur de bon niveau aussi. Donc il y a ce côté-là aussi où il y a la compréhension du bon joueur, et le fait, avec l'expérience que tu as, de se dire ok, il faut aussi laisser l'instinct du joueur aussi prendre le dessus, et lui, c'est ça qui est le plus important. Ah ouais, c'est comme je dis, il faut que le joueur soit convaincu de ce qu'il fait est le bon choix. Et il y a des fois où il faut laisser faire le joueur, toutes ces choses-là que l'on met en place, c'est surtout c'est pas pour enlever cette côté, on va dire, ce que les gens disent inné, feeling ou tout ça. C'est juste pour les rendre plus pertinents dans les moments qu'il faut, quoi. Donc plus tu travailles, pour moi, carré avant, et qu'on met en place des choses qui sont logiques, plus lui va pouvoir s'exprimer comme il veut sur le parcours, et ça va être aussi dans le sens du jeu qui est demandé. Donc avec un joueur comme Alex, en plus c'est quelqu'un qui est vachement sensitif, il est fin par rapport à ces choses là donc il faut, je pense que l'erreur un peu que moi personnellement j'ai pu faire, c'est ne pas réellement écouter
ce que lui avait à dire là-dessus, sur ses sensations. Et je pense que tant qu'il y a une bonne communication et qu'il dit réellement ce qu'il ressent, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver le bon choix ou la bonne stratégie sur le moment, quoi. Question de la part de Damien Perrier, donc joueur professionnel aussi que tu connais, Tom. Est-ce que tu apprends et est-ce que tu t'entraînes réellement à lire les pentes ou est-ce qu'au feeling en espérant que le dénouement soit heureux? Ouais, j'ai souvent une pièce dans ma poche que je fais pile ou face au cas où. Non, alors j'ai eu la chance de m'intéresser pas mal à Endpoint, une façon de lire les grilles. Chose auxquelles, quand je joue moi-même, qui est très peu, mais chose auxquelles qui est moi-même, je m'en sers. Je m'en sers sur le parcours, à l'entraînement. J'ai les carnets de grilles aussi avec lesquels je développe ma faculté de lire les grilles. Mais Alex, c'est quelqu'un qui lit beaucoup les grilles tout seul. Donc, j'ai pas vraiment d'opportunité à lire les grilles parce que lui, il aime bien faire tout seul. Et moi, personnellement, je préfère, s'il a pas vraiment un doute, je préfère qu'il fasse tout seul parce que c'est lui qui va sentir la ligne, la vitesse et tout ça. Ouais. Et cette chose-là, il le fait depuis tellement longtemps qu'il arrivera mieux à le faire sans que je lui dise. Après, oui, moi, je m'intéresse beaucoup à la lecture de grilles, essayer de comprendre. Il y a des gens qui font vraiment du beau. Il y a Robin Koch qui est sur Bondu, qui est instructeur Endpoint, qui m'a beaucoup aidé sur la compréhension de Endpoint et la lecture de grille. Donc c'est vraiment une chose dans laquelle je suis toujours en train de chercher des solutions, mais c'est pas quelque chose spécialement que j'applique à l'heure actuelle avec quelqu'un comme Alex. Ok, top. Tom, ça fait quasiment, ouais, ça fait une heure qu'on est en direct. Je t'avais dit que ça durait une heure, donc je te remercie qu'on a dépassé un tout petit peu. Mais c'était vraiment juste génial, tu vois. Enfin, moi, franchement, j'ai pas vu l'heure passer et je vois qu'on est toujours autant de personnes de connectées qu'au tout début du live, même plus. On est pratiquement à 200 personnes de connectées. Donc, tu vois, ça prouve que le sujet est hyper intéressant et le fait de rentrer à l'intérieur de l'équipe, du joueur pour savoir comment il fonctionne et savoir un petit peu ben voilà, les éléments clés que toi tu apportes dans tout ça et comment tu contribues au succès des victoires d'Alexander, c'est fabuleux. Et aussi de voir cette complicité, le fait que voilà, on voit qu'Alex se connecte, voilà, il y a de la déconnade en même temps. Donc tu voilà, ce qui est cool, c'est que ce qu'on ressent beaucoup aussi à l'intérieur du staff, que ça soit avec Alex ou même, tu vois, quand la dernière fois j'étais sur le circuit, c'était avec c'était à l'île Maurice à Freja Bank, donc j'étais à l'intérieur des cordes avec Romain, on a vu tout à l'heure Sébastien Clément qui était là. Il y a vraiment une belle cohésion de groupe, il y a au sein des Français, ça c'est vraiment détente, c'est agréable, mais en même temps ça bosse dur avec des ambitions, avec des rêves poussés. Donc c'est vraiment top de voir qu'il y a à la fois le sérieux, mais en même temps on n'oublie pas là-dedans le fait que c'est avant tout un sport de passion et on se fait plaisir, quoi. Ouais, exactement. On a une super bonne ambiance avec les Français, avec les étrangers, avec on est un grand cirque qui se déplace de semaine en semaine et il y a une super ambiance, il y a le côté compétitif qui est super important et qu'on ne perd pas, mais c'est vrai que être avec des gens qu'on apprécie tout le temps en tournoi ou en déplacement, c'est vachement agréable, quoi. Alors juste avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner, parce que je sais que donc toutes les semaines et restez avec nous, vous êtes connectés, j'ai une question là pour Tom qui va vraiment vous aider, les personnes qui sont en train de nous regarder, les joueurs amateurs, et pour le cas de Damien Perrier aussi qui nous regarde, peut-être que tu peux lui donner quelques tuyaux, mais pour le cas des joueurs qui nous regardent, toi toutes les semaines tu as l'occasion de faire aussi les pro-ams aux côtés de d'Alexander sur le circuit européen, et donc tu vois des amateurs. Même si tu joues pas autant qu'avant, les amateurs, tu les vois toutes les semaines en proa, mais les amateurs, tu les vois de tout niveau. Est-ce que, puisque la stratégie de jeu, j'ai toujours considéré que c'était un élément auquel les amateurs passaient le moins de temps, et finalement, c'était la chose auquel on pourrait facilement gagner entre 3 et 7 points si on connaissait son système de jeu et comment utiliser son système par rapport au parcours qu'on est en train d'aborder. Donc, est-ce que tu as peut-être quelques tuyaux, quelques clés que tu peux partager avec nous pour que les amateurs puissent utiliser leur niveau de jeu actuel, mais mieux performer sur le parcours?
parcours. Ouais, je pense que bah, par expérience avec les gens avec qui on fait les programmes, comme tu disais, bon, déjà, le problème numéro un, c'est que les amateurs, ils sont vraiment, je parle pas en général, je parle des gens avec qui ils vont jouer. Ils sont focalisés sur une seule chose, c'est vraiment de la technique pure, quoi. C'est-à-dire que pour réussir un coup, c'est de la technique pure. Et malheureusement, bien sûr que leur technique, elle est très importante, mais le problème, c'est que ouais, il y a moyen d'optimiser encore mieux avec d'autres solutions. Et je trouve que les gens jouent comme s'ils étaient dans un simulateur sur le parcours. Et ils font abstraction à tous les paramètres extérieurs, que ce soit le vent, la position de drapeau. Et quand tu leur en parles, moi j'essaye de rester dans mon coin parce que je travaille avec Alex pendant le programme, je dis pas grand chose. Et en fonction des amateurs avec qui on voit si ça passe bien, on peut leur donner une ou deux pistes. Mais si tu leur en parles, les gens ils te disent, le retour que j'ai, les gens te disent, ah non mais moi, enfin je suis pas au niveau d'Alex, mais enfin au contraire. T'es pas au niveau d'Alex pour la technique, mais tu peux être au niveau d'Alex au niveau de la réflexion. C'est ça, ça demande aucune puissance, aucune vitesse de club. C'est quelque chose que tous les amateurs peuvent développer. C'est la compréhension pure de jeu. C'est le mec qui joue le problème avec toi, il joue au rugby. Quand il regarde un match destination à la télé, il comprend les phases de jeu, ce qui se passe. Et je trouve que dans le golf, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, quoi. C'est vrai que on s'éloigne un peu de la compréhension réelle du parcours. Et il y a des outils maintenant, je veux dire, avec Internet, des livres à lire, il y a tellement de quoi s'informer pour essayer de comprendre, pour essayer de se cultiver là-dessus, que si vraiment on est passionné par ce jeu et qu'on veut progresser, au-delà de taper des balles, il y a des choses, on peut déjà progresser en se cultivant sur des choses comme ça, quoi. Donc, bien sûr, la stratégie de jeu, elle n'est pas assez prise en compte et les gens ne sont pas assez conscients des choses qui se passent, quoi. J'ai toujours dit à mes élèves que c'est augmenter le QI golfique, en fait. C'est de pouvoir faire évoluer le cerveau et de comprendre que peu importe le niveau qu'on a, l'apprentissage de la connaissance de la stratégie de jeu, elle est tout aussi importante, voire plus importante qu'on est sur le parcours, que l'amélioration de sa technique. Et je dirais que la majorité des amateurs que moi j'ai l'occasion de côtoyer dans mes séances de coaching, ils s'orientent toujours vers une problématique technique. C'est constamment quand ils font un mauvais shot ou un mauvais trou ou un mauvais parcours, à chaque fois ils ressortent et ils vont tout de suite au practice pour essayer d'améliorer leur swing, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est très bien, continuez comme ça. Mais il ne faut pas oublier que la stratégie de jeu, elle contribue à un certain pourcentage de coûts auquel on pourrait gagner, qui est pour moi considérable, énorme. Non mais clairement, et c'est dommage que des gens y accordent pas un peu plus d'importance. Mais après, je veux dire, tout ce qui est commercial, un peu entre guillemets, de nos jours, nous envoie vers la technique purement. Donc toutes les nouvelles choses, mais au contraire, les gens ont une vision peut-être de quelque chose comme le Trackman. Nous on s'en sert beaucoup, mais comme un outil technique. Pour moi, c'est un outil qui est extrêmement bon à comprendre les paramètres de ce que peut faire la balle. Quelles sont les tendances et tout ça. Donc, c'est toujours une question de perception, comment on voit les choses, quoi. Les gens, on le voit d'une façon et malheureusement, on peut s'en servir avec tellement d'autres options aussi. Donc, je trouve qu'on est poussé un peu à la consommation technique, entre guillemets, chose qui est très importante et très bien. Mais par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que je vois, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la compréhension du jeu et l'amélioration, entre guillemets, stratégique même des amateurs, quoi. Alors plusieurs questions là pour terminer ce live, plusieurs questions de la part des amateurs qui disent quel livre peut-il conseiller sur la stratégie de jeu. Est-ce que toi par exemple tu as des livres, il y a Bruce et Fabrice qui posent la même question, Bruce qui dit un conseil de livre, stratégie de jeu s'il vous plaît, est-ce que tu as des bouquins que tu lis ou que tu conseilles? Alors, bouquin sur le... Il y a un très bon bouquin... qui est sorti depuis des années maintenant, c'est Mark Brody. Donc Mark Brody, c'est celui qui a commencé Stroke Gain avec Shotlink aux USA. Mm-hmm. Donc c'est il a commencé à prendre toutes les datas. Enfin tu connais, mais pour les amateurs, c'est ouais, bien sûr. Il a pris toutes les datas et fait une analyse générale sur le jeu de golf. Il a repris le jeu de golf et il a dit voilà par les chiffres ce que l'on peut en tirer et quels sont les niveaux que les joueurs pro ont et que les joueurs amateurs ont. Et donc ça, c'est Mark Brody, c'est Every Shot Counts.
C'est en anglais malheureusement, je ne sais pas s'il y a une version en français, mais ça pour moi, c'est pour tous gens qui sont passionnés et peu importe le niveau, et je dirais même si de nos jours, vous êtes pro, joueurs qui veulent gagner votre vie là-dedans, pour moi, c'est presque une obligation de au moins lire une fois ce livre. Rappelle-le une dernière fois le nom du livre pour les personnes qui peut-être qui viennent. Vas-y. Donc c'est Mark Brody. Mmh. Et c'est Every Shot Counts. Super. Le titre. Ok. C'était mon accent, le vieux français. Every Shot Counts. En plus, on est anglais à anglais, et puis on a fait ce live en français. Hein, donc c'était vraiment, vraiment juste pour faire plaisir à l'audience du Journal du Golf. Charles Dubois, qui est là, que tu connais aussi, qui dit merci les gars, super. Il y a énormément de commentaires. Positif, Tom, et des personnes qui te remercient énormément. Tu peux pas les lire, donc c'est pour ça que je les lis pour toi. Fabrice Lemeur qui dit un grand merci. Charles Dubois, donc merci, super intéressant. Merci à tous les deux, Cyril Donnet. Merci à vous deux, Fabrice Galfard qui. Et pour terminer là-dessus, il y a, je crois que c'est une personne de ta famille. Alors, je sais pas si je pense que ça doit être ta maman peut-être, qui dit Sandra Elling. Sandra Elling, Sandra qui dit bravo Tom avec les deux petits X, tu vois, donc c'est. Bisous en anglais. Okay. Donc. J'ai toujours ma fan numéro 1. toujours. Xavier qui dit merci, top. Hugues qui dit merci au top. Rémi Bédu, j'adore le fait que vous avez abordé tous les aspects du caddie. Philippe qui dit top cette émission. Voilà, donc voilà, Tom, je voulais partager avec vous. Parce que toi, comme je te l'ai dit au début du live, malheureusement, Tom ne voit que moi. mais en même temps, voilà, c'est très important pour moi de partager les commentaires de l'audience. Et c'est une façon pour nous aussi de dire un énorme merci pour tout ce que tu as partagé avec nous et d'avoir été aussi transparent sur tout ce qui passe à l'intérieur du staff, sur le circuit, ton expérience, tes connaissances. Si vous venez de vous connecter, on va vous proposer cette émission en replay, donc elle sera disponible sur la page du Journal du Golf. Mais Tom, avec ce que vous êtes en train de traverser en ce moment avec Alex et toutes les choses qu'on a pu apprendre aussi d'Alex la semaine dernière, je sais que vous allez monter à un niveau qui va juste nous faire. J'ai envie d'utiliser le terme kiffer. Voilà, je vais dire kiffer, qui va nous faire kiffer. Et puis on a hâte de vous retrouver au plus haut niveau possible. Et moi, je n'ai absolument aucun doute que ça va arriver. Ça va arriver très prochainement. Une fois que le confinement, bien évidemment, sera levé. Mais Tom, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les prochains mois à venir, quand on sortira de ce confinement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Honnêtement, pour moi, j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai vraiment, je répète encore une fois, j'ai vraiment de la chance d'avoir j'ai une belle famille, j'ai un métier que j'adore. Je pense que surtout dans les périodes un peu difficiles comme ça, il y a des gens qui sont pas tous les médecins, les docteurs. C'est surtout à ces gens-là qu'il faut leur souhaiter du bon. Ouais. Ils font un énorme sale travail entre guillemets pour que nous on puisse être là, à faire vibrer les gens avec notre passion. Et je pense que c'est surtout pour ces gens-là qu'il faut prendre une petite minute et se dire on a de la chance. Moi j'ai énormément de chance, je le répète encore. Tu le fais le clap à 20h ? Tu fais le clap à 20h tous les soirs où il y a du monde à côté de chez toi ? Alors, je pense que chez moi, il y a peut-être un écureuil qui a fait le clap. On est dans un coin très, 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 très tranquille. Donc, malheureusement, nous... À part les écureuils, tu le fais tout seul. On n'a pas grand-chose à côté, mais en tout cas, moi, le cœur y est pour vraiment les gens qui font, comme je dis, entre guillemets, le sale boulot pour nous... et qu'ils arrivent à soigner des gens et qui se donnent à fond. Moi, j'ai énormément de respect pour ces gens-là. Je me sens vraiment genre inutile, mais en même temps, comme on dit, si on peut rester chez nous et les aider au moins de cette façon-là, au moins on met notre petite coup de main. Et comme on l'a dit en off, Tom, juste avant de démarrer ce live, nous, on a discuté 10-15 minutes avant le live avec Tom et on disait que c'est... Ce confinement, c'était aussi un moment pour nous tous de pouvoir faire finalement une belle réflexion sur nous-mêmes et de passer du temps avec les personnes qu'on aime le plus et de pouvoir réaliser et apprécier ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et puis c'est vrai qu'au passage, comme tu l'as dit Tom, les personnes qui vraiment vont au charbon en quelque sorte, qui sont dans les premières lignes, on réalise à quel point finalement on est dans une position extrêmement chanceuse de pouvoir pratiquer ce sport, faire partie de ce sport,
Et c'est dans ces moments-là où on réalise finalement qu'on a une chance qui est absolument incroyable. Damien Perrier qui dit les mots de la fin sont priceless. Top. Tom, un grand, grand merci à toi. Encore une fois, il y a des gens qui continuent à te remercier. Donc voilà, on va te laisser là-dessus. On te remercie parce qu'on avait dit 1 heure et ça fait 1h15. C'est le plus long live qu'on a effectué jusqu'à présent. Donc c'est pour te montrer à quel point tous les sujets ont été hyper intéressants. J'espère qu'on aura l'occasion de te recroiser très rapidement une fois que le confinement sera levé et puis de repartager des moments comme ça où tu peux aider les amateurs à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du staff et aussi leur permettre d'améliorer leur jeu en même temps. Donc merci à toi pour tout ce que tu as partagé avec nous, Tom. Et pour les personnes qui sont toujours en train de nous regarder, vous allez pouvoir retrouver Guillaume Biogeau à 14h et puis Rémi Bédu à 17h. Tout au long de la semaine, on a des thématiques absolument incroyables à vous proposer. Demain, me concernant, je serai en live à 14h avec Romain Langasque. On partagera avec vous le parcours d'un champion. On dira un petit peu justement à travers ses hauts et bas. Romain aussi, qui a connu des moments particuliers dans sa carrière, qui a monté sur le circuit européen, qui est descendu sur le Challenge Tour et qui est remonté sur le Tour européen. Je pense que pour un joueur professionnel, c'est une des choses probablement les plus difficiles à faire quand on descend du European Tour et quand on doit remonter. Donc on va parler un tout petit peu de tout ça avec Romain. On va également faire une analyse de son swing technique. Mais pour en revenir au moment présent, encore une fois, Tom, merci beaucoup à toi. Reste avec moi quelques secondes, je vais éteindre le live et puis je vais te dire quelques mots off en Skype. Mais pour toutes les personnes qui nous regardent, rendez-vous à 14h avec Guillaume Biogeau. À tout à l'heure.